Un bassin. C'est pourquoi le bassin d'eau? Pour faire la vaisselle? Ça veut dire avant on faisait pas la vaisselle. Bon, alors c'est pas compliqué, il y a deux écoles. Soit vous considérez que ça fait partie intégrante de l'EQL, alors à ce moment-là, vous le laissez. Soit vous estimez, comme moi, que c'est du gras de jambon de midi, et à ce moment-là, vous vous retapez la vaisselle une troisième fois parce que vous me laissez de la merde partout. Ou alors c'était des assiettes jetables en carton. Comme je dis toujours, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, et moi, j'ai découvert en plastique. Ah bah ouais non si c'est important de faire la vaisselle. Dans Emily in Paris ils disent non mais nous on lave pas la vaisselle. C'est moi qui veux faire la vaisselle. Oh non 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 surtout pas, ça risque d'abîmer le fond de la poêle. C'est du savon. C'est ça le secret des Français, on lave jamais les ustensiles, on les laisse dans leur jus. Ça donne meilleur goût. Pas du tout, c'est pour les soupes de mémoire. Ah mais bah, y a le chaudron alors c'est pourquoi. L'eau pour les soupes. Ah mais c'est genre, c'est juste un stockage d'eau. Mais pourquoi prendre une bassine d'eau pour les soupes? Regarde, il y a déjà les eaux de l'incendie. C'est pareil, c'est la même eau. L'eau pour éteindre les incendies et l'eau pour la soupe, c'est pareil. On n'a pas à avoir 36 bacs d'eau différents, si. Oui, c'est plus hygiénique, hein. Ah bah, si c'est plus hygiénique... Non, non, c'est bon. Un bac d'eau qui fait soupe, vaisselle et incendie en même temps. C'est bon. En plus, ils sont dégueulasses, ils se lavent dans le même bain. Ah bon? Non, non, non. Ça va les perturber, je les connais. Je les paye pas cher, c'est qu'ils sont très très cons. Après, ils vont se confondre. Ils vont se mélanger les bassines d'eau. Non, non, non. Mais c'est trop compliqué pour elle. Là, demain, des grandes dégustations de pinards. Et du coup, comme c'est une dégustation de pinards, je suppose il faut... je peux changer les prix? Ouais, c'est pas con ça. Et demain, comme c'est un événement, en fait, ils ont pas le choix de payer... le prix des consommations, en fait, comme ils ont réservé. Donc, en fait, pour demain, je pourrais genre mettre à fond le prix. C'est que je pouvais choisir les prix. Et surtout, je pouvais les modifier n'importe quand. Un coca, s'il vous plaît. Ce sera 2 euros. Bonjour, je voudrais un coca avec une paille, s'il vous plaît. Ce sera 75 euros. Le prix est fixe pour les événements. Ah, merde. Bah non. Qui a décidé ça? C'est qui le chef de bar? C'est moi? C'est moi le tenancier ou c'est pas moi le tenancier? Je vous pose la question. Je suis propriétaire ou je suis pas propriétaire? Je suis propriétaire, je suis pas propriétaire. Je suis propriétaire, automatiquement j'ai des droits. La lampe fonctionnera même sous la pluie, c'est-à-dire dehors. Ah, pour faire des terrasses! Ah, on peut faire des terrasses! Ah ouais, pour les fumeurs. les terrasses pour les fumeurs. Ah salut, bienvenue au Moyen-Âge, je vous sers un coca? Non, 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 non. Mais d'où vient cette musique puisqu'on n'a pas de ménestrel? C'est la question qui se pose. Mais enfin, quelle est cette diablerie? C'est la boîte à troubadours? C'est ça? D'où vient cette musique? Je n'ai pas embauché de musicien aujourd'hui. La boîte à troubadours a flambé! Boum! C'est satanique! Ou alors c'est dans ma tête. Peut-être tout ça, peut-être en fait tout ce qui se passe est dans ma tête. Et il n'y a jamais eu d'auberge et de... et de musicien, et... Mais oui, c'est dans ma tête, c'est un jeu vidéo. Je suis fou, en fait. C'est ça, Madame Goula, la boîte à troubadours. Tâche. Ah oui, putain, il faut que je gère mon personnel. J'avais dit... Tac. Tac. Non, elle, il faut la augmenter. Moi, c'est comme ça. Le mec, vous faites comment les salaires? À l'ancienneté ou... au mérite, à la responsabilité, comment vous faites pour distribuer, pour gérer qui a quel salaire? Non, au sourire, pardon. Bah, c'est-à-dire, en fait, j'annonce au serveur, au cuisinier, combien il va toucher, et en fait, je regarde sa réaction. S'il fait la gueule, c'est que je lui donne pas assez, s'il fait pas la gueule, c'est que je lui donne trop. Et du coup, je le diminue. Ah oui, des tarifs à la gueule du client, c'est très noble, ça, bravo, de mieux en mieux. Enfin, vous pouvez pas vous baser sur ça pour faire les salaires? Ah si, si, ça marche très bien. Ça marche très bien, c'est comme ça que j'arrive à maintenir plus de 80% de bonheur, regardez. Voilà, 80% de bonheur. Bonne technique, hein. Je la donne à tous les entrepreneurs, restaurateurs, tout truc comme ça. Arrêtez les histoires d'expérience, de mérite, de responsabilité. Non, 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 la gueule. La gueule. Non, non, quoi? Tu fais pas ça, hein, Jean-Claude, hein. Ça, c'est du délit de sale gueule, hein. Je serais impitoyable là-dessus, je laisserais pas passer, hein. 500 euros par mois? Ah bah, plus alors.
4000 ? Oh, non, c'est trop. 2000. Voilà, là c'est très bien. Là t'as fait, si, avec ton petit haussement d'épaule là. Voilà, ça c'est très bien. Ça veut dire ça te va, ça te convient. Voilà, pas parfait. Bon, écoutez, disons... 550 et n'en parlons plus. Ah merci monsieur, c'est plus que je ne pensais. Si j'avais su. Shay. Ah, qui dit hausse de compétences dit baisse de salaire. C'est pas logique ? Si. Quoi ? C'est pas logique, vous dites ? Si. 50, 100, 150. Et voilà. Sinon, je te fais empaler. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le fourbe. Ah bah ça, c'est sûr. Tant qu'il met de la calamité dans la négociation, on a toujours un grand retard. Tac, 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 tac. J'aime bien la musique. Tac, tac, tac. Hey. Là, je fais des petits pas de danse médiévale, dites-vous, en bas. Je fais des trucs. Hey. Ok. Ça y est, c'est fini, les conneries. Faites du travail. Et en ce jour de fête du travail, je propose que tous mes employés travaillent deux fois plus pour que ceux qui ne travaillent pas puissent profiter de la fête du travail. Vous, franchement, faut être vicelard pour faire une fête du travail. Y a quand même pas de quoi se réjouir, de bosser. Et parle pour toi, pense à tous ceux qui n'ont pas de boulot, qui pleurent pour en avoir un. Mais attends, les mecs, c'est pas après le boulot qu'ils pleurent. Ah bon ? C'est après la paye, nuance. Ah, mais le 25 décembre, c'était Noël aujourd'hui. Oh, il y a des gens, ils sont venus passer Noël à la taverne. C'est triste. Ils sont venus s'en jeter un. Parce qu'ils n'ont pas de famille. Et qu'ils n'ont pas de... Et que c'est triste. Je vais me saouler la gueule. Pour oublier que j'ai pas de famille avec qui passer Noël. Et les fêtes de fin d'année. Merci pour le champagne coupé à l'eau, patron. Joyeux Noël. Joyeux Noël quand même. Et bon réveillon. Ah, mais je peux renommer les employés. J'avais pas vu. Eh, comme j'étais le patron, je pouvais même leur donner le nom que je voulais. Ouais, bah bonjour, je m'appelle Michel. Je suis très content de bosser avec vous parce qu'on va connard, faire... Connard, tu t'appelles connard maintenant. Regarde, je te présente tes collègues. Ça, c'est ma couille et ça, c'est mon cul. Comment ça va, connard? Bon, et dans tous les cas, il y en a une. Regarde, Ada. Elle s'appelle Ada, vous voyez. Elle s'appelle Ada. Je vais l'appeler Corinne. Ça vous ira très bien. Exactement. Vous voudriez donc que je m'appelle comment ? Corinne. Ça vous irait très bien. Putain, il y a... Par contre, waouh. La ville médiévale la plus peuplée du monde, hein, s'il te plaît. Hein. Mec, c'est devenu une autoroute, le truc. C'est... On se croirait sur la 63 le 1er juillet, tu sais. Coincé au péage. Y a pas de miracle. Comme tous les ans. C'est le week-end rouge, qu'est-ce qu'on peut y faire, Gatineau ? Le rassemblement des bourreaux ! Ouais, toi aussi, t'as tué des gens ? Bah ouais, moi aussi, bon. Par contre, tu trouves pas quand même l'État emploie beaucoup trop de bourreaux par rapport à la taille de la ville ? Ouais, quand même, 65 bourreaux pour une petite bourgade de 45 habitants ? Moi, j'ai l'impression que quand même, il y a un petit problème d'emploi dans cette ville, hein. 20 millions d'euros, c'est beaucoup trop. Trop d'équipement, trop de personnel. Le conseil général ne veut plus payer. Le conseil régional ne veut plus payer. L'État ne veut plus payer. Autant en France, en 2022, qu'il s'agit de la sécurité, on n'a peut-être pas assez de pognon dans la justice. Et sur la sécurité, on a toujours eu du retard, hein. Ça date pas de maintenant. Peut-être que là, dans cette année 1200, peut-être on pourrait diminuer un peu le budget du ministère de la Justice, parce que bon... Oh non, j'ai l'impression d'entendre l'autre. C'est mon projet phare, renforcer la surveillance. Il y a intérêt qu'il arrête de réclamer du salaire en plus, parce que du coup c'est abusé là. Ah, le cercle perpétuel de la perte d'argent quoi, du coup. Ah, je suis au niveau maximum, du coup tu dois m'augmenter tous les jours, mais ça va pas. Faut signer les chèques. Oh là là, oh non ça je ne pourrais pas, oh non ça je ne pourrais pas. C'est la fin du mois. Encore ? Enfin, les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois, et puis dans un mois, ce sera encore la fin du mois, et puis après, ça s'arrête. Pour régler le problème, je te licencie, donc tu repars au niveau zéro du professionnalisme, mais je te réembauche dès le lendemain. Et on recommence, tu vois ? On peut faire ça.
pour que t'es pas pour te faire dégonfler ta grosse tête, hein. C'est pour vous faire revenir sur Terre, hein. Pour requérir votre attention. C'était pour requérir ton attention. Oui, bah c'est pas complètement con comme comme requête. Ah, Corinne, elle fait la gueule. Corinne, elle fait la gueule, tout ça parce qu'on l'a renommée parce que son prénom était interdit dans le calendrier. Corinne, fais pas la tête parce qu'on t'a renommée Corinne. C'est pas grave de s'appeler, c'est bien aussi. Ça vous va très bien. Regardez, regardez, voilà, voilà. Vous voyez, quand il y a quelqu'un que vous devez renommer, il faudra que Zemmour, il pense à ça. Il faut leur redonner un petit paquet de pognon. Si tu enlèves le nom et prénom de quelqu'un pour remettre quelque chose de catholique, pense à leur donner du pognon pour que ça compense. Eh ben voyons. Ah, elle est level max et elle attire 3,5 clients en plus par jour. Bah c'est bien, Pauline. Ça, c'est parce que t'as des belles miches. C'est parce que tu secoues bien les miches, du coup ça attire plus de clients. Oh, mais c'est pas en parlant que vous allez les faire venir, ma petite fille. Il faut vous remuer un peu les miches. Oh, la table de Bourges. Vous faites quoi, vous asseoir là, là? Vous vous êtes pris pour des bourgeoises? Levez vos culs de lin, hein. Y a que les Bourges qui ont le droit, hein. Vous êtes pas des Bourges, hein. Comme je leur dis, oh, vous virez vos culs de lin, on n'est pas cousins, hein. Vous êtes des clodos, hein. Mais non, c'est la table et les bancs pour les bourgeois. Vous, vous allez à la table avec les prolos. On mélange pas les torchons et les serviettes, hein. On le dit tout de suite, moi. Quand on est cadre, on mélange pas les torchons et les serviettes. Oups, ça va, je m'en vais, hein.